Merci d'être venus aussi nombreux. Amen. Je remercie aussi ma mère et le pasteur Daniel de me donner la possibilité de pouvoir parler devant vous en cet après-midi, pouvoir parler de ma foi et de mon expérience de sportif de haut niveau et tout en ayant Dieu dans son cœur. C'est jamais facile, mais avec la foi et avec les années qui passent, on est plus fort. Amen. Comme le dit le chant, je suis fort, plus que vainqueur. Amen. Donc j'aimerais mais d'abord vous témoigner comment j'ai commencé, etc. C'est ma mère qui m'a demandé un jour d'essayer le basket, qui m'a dit « Essaye, tu vas voir, c'est sympa et tout ». Et j'ai pas voulu en faire au début. Je me suis dit « Je vais tester autre chose, le foot, comme les copains, la natation, le hand, etc. » Et c'est ma mère qui m'a poussé à en faire. Et ça m'a toujours plu, ça m'a toujours plu. Et la preuve, c'est que j'en fais mon métier aujourd'hui. Et j'ai commencé... d'accord. Assez jeune, j'étais déjà grand. En plus, je vois toujours mes copains qui sont là. C'est marrant à voir. J'ai commencé à Biorel. C'était une très bonne expérience. Et ensuite, je suis venu sur Rouen, car on a déménagé. Et là, ça a été une superbe expérience avec tous mes coéquipiers. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, on a été, c'était il y a 7 ans maintenant, on a été champion de France cadet, c'est-à-dire des jeunes qui ont à peu près 16-17 ans. Et pendant cette demi-finale et cette finale, mes coéquipiers m'ont demandé de prier. Et quand on a 17 ans, c'est jamais évident de prendre les rênes, d'y aller, de prier et de foncer. Mais je l'ai fait et j'en étais très très fier que mes coéquipiers me demandent de prier pour qu'on gagne. Et on a gagné les deux matchs, haut la main, on les a éclatés. C'était super. Une superbe expérience avec les coéquipiers à moi que je vois toujours, qui sont de très très bons amis. Et j'aimerais vous lire un passage comme quoi la prière est forte et très importante dans la vie d'un chrétien. C'est Jacques chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Amen. Et suite à ça, mes coéquipiers sont venus à l'église un mercredi soir. Je les ai tous emmenés après qu'on ait été champions. Et certaines s'en souviennent, elles étaient déjà là, Claire-Lise, Myriam. Et c'était vraiment un très bon moment. Très très bon moment que je garderai toujours dans mon cœur, parce que grâce à ça, grâce à la prière, grâce à ce que le Seigneur œuvre dans ma vie et est présent dans ma vie, j'ai pu amener des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. J'ai pu amener mes amis devant le Seigneur. Et j'ai semé dans leur cœur. J'ai semé dans leur cœur. Et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est de semer à travers les cœurs de chacun. Après, c'est Dieu qui fait le reste. Voilà. Mais au moins, nous, on n'a pas de regrets. C'est le principal. Voilà. Et suite à ça, du haut de mes 18-19 ans, je ne savais pas forcément où est-ce que j'allais. J'avais plusieurs opportunités pour partir dans les centres de formation. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à expérimenter le jeûne. J'ai jeûné plusieurs fois pour trouver où est-ce que je devais aller, où était ma place. Et Dieu a toujours ainsi fonctionné avec moi. C'est-à-dire, il m'a toujours ouvert les portes. Où que j'aille, il me les a ouvertes ou il me les a fermées. C'était clair et net. Donc je vous encourage d'autant plus à être dans le jeûne, à être dans la prière. Et vous verrez que Dieu répondra à ce que vous et votre cœur désirent. Amen. Amen. Donc suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller sur Orléans. Orléans, je ne sais pas si on va pouvoir... Voilà, il y a quelques images. Longtemps. Et j'ai eu la chance, la grâce... de tomber sur des bons coachs et des bons formateurs. Vous savez, c'est important dans la vie d'avoir des personnes qui nous apprennent bien les choses, qui nous aident à devenir techniquement bons, etc. Et je pense que c'est pareil aussi dans l'Église, quand on a un bon enseignement, quand on a après des bases solides, quand on a un bon message tous les dimanches, ce qui fait de nous un meilleur chrétien, vraiment. Et je voudrais vous lire aussi un passage dans Hébreux, chapitre 13, verset 17.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant au rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Toujours avoir beaucoup de respect pour ceux qui nous ont formés, pour tous ceux qui nous ont aidés et appris, que ce soit la parole de Dieu, mais aussi notre métier, notre apprentissage quand on fait nos études, etc. C'est toujours important de se souvenir de ceux qui nous ont apporté ce dont on a besoin pour réussir dans la vie. Et donc suite à ça, je suis parti sur Nantes, mes premières années en tant que professionnel, en deuxième division. Moment très difficile. On parlait de bon coach, de bon formateur. Malheureusement, j'ai pas eu cette opportunité d'avoir un bon coach aussi à Nantes. Un coach qui ne croyait pas en moi, qui ne voulait pas que je réussisse, qui me mettait toujours au bout du banc et qui ne voyait pas mon potentiel. Donc j'ai vraiment passé des moments très difficiles, très très difficiles, mais j'ai rien lâché, j'ai jamais rien abandonné. Car on peut avoir des moments de faiblesse de notre vie, mais c'est là où Dieu est encore plus important pour nous. Et il ne faut pas s'en souvenir, il faut garder ça à l'esprit, c'est que même dans les bons moments, Dieu est avec nous, et il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on pense toujours que le Seigneur doit être là, toujours dans les mauvais moments. Mais il ne faut pas l'oublier aussi quand tout va bien et quand on est heureux. C'est vraiment très important. Et sachez, bon voilà, vous savez tous que c'est pas évident à travers mon nom de réussir. Au contraire, ça m'a plutôt desservi qu'autre chose. Mais il faut savoir que avec Dieu, tout n'est qu'une force. Et il faut avoir confiance en vous. Et vous verrez qu'avec Dieu, on fait vraiment des miracles. On fait vraiment des miracles. J'avais un autre verset à cœur, de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. « Aussi nous glorifions, nous de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez vécues, que vous avez à supporter. » Ces moments ont été difficiles pour moi, mais à travers ça, le Seigneur voulait que j'apprenne quelque chose, la persévérance. La persévérance, et ne jamais rien lâcher dans tout ce que je fais. Donc, que ce soit après dans vos relations avec votre famille, que ce soit dans vos relations avec vos amis, dans vos relations professionnelles, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, car Dieu est toujours avec vous et lui ne vous en abandonnera jamais. Je ne sais pas si... Attendez, où là? D'accord, ok. Voilà. On va passer directement après, je suis allé à Chartres, mais Chartres c'était un peu la même expérience, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Et ensuite, grâce à Dieu, j'ai eu la chance d'aller à Épinal, dans les Vosges, où c'est passé du tout au rien, hein. C'est pas compliqué. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a donné sa confiance, qui a cru en moi dès le début, qui m'a pris, et je le remercie vraiment encore une fois aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui aussi... que j'ai pu réussir, que j'ai pu m'imposer, que j'ai pu vraiment prouver que dans ce milieu, je pouvais me faire un prénom. Et vraiment, vous voyez, c'est comme... ça a certaines... comment dire, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous dis ça, mais aujourd'hui, j'ai cette grâce de pouvoir être un des meilleurs à mon poste dans ce championnat, dans cette troisième division, que je compte... quitter pour aller plus haut, bien sûr, parce qu'avec le Seigneur, on veut toujours aller plus haut. Amen. Et vraiment, c'est avec grande humilité que je dis ça, parce que toute la gloire revient à Dieu, en toute chose. Vous savez, je prie à chaque fois avant mes matchs, et je termine toujours, Seigneur, toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Ce n'est pas une gloire personnelle, parce que vous savez, c'est pas évident. Les gens viennent, ils sont là, ils viennent donner des autographes, faire des photos, faire des vidéos avec nous. Des fois, on joue contre des équipes ou dans des salles où il y a 2500, 3000 personnes. Donc c'est jamais évident gérer tout cela, et surtout quand on fait un bon match et en plus que l'équipe gagne, c'est des moments super à vivre. Mais à travers tout ça, et même après, quand je prie toujours avant et après les matchs, et... pour vraiment ne pas me remplir d'orgueil et d'être toujours quelqu'un de humble,
Je dis toujours, Seigneur, que toute la gloire te revient. C'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai fait un bon match. C'est grâce à toi que l'équipe a gagné. Je te remercie de m'avoir aidé à être performant ce soir. C'est comme ça que je fonctionne. Et je change de point un petit peu rapidement, mais ça me tenait à cœur aussi de vous parler de ça. Je suis amené à voyager très souvent, vous voyez, un week-end sur deux, on est en déplacement, on peut jouer dans le sud de la France, dans l'est, un peu partout. Et donc c'est jamais évident d'être à l'église, d'être là parmi vous, ou dans une autre assemblée. De ce que j'ai pu faire comme assemblée de Dieu, comme église en France, sachez qu'ici, il y a une vraie richesse au niveau du message et de l'enseignement. Amen. On ne s'en rend pas forcément compte quand on vient tous les dimanches. Mais que ce soit dans la louange, dans l'adoration, que ce soit dans le message apporté par les prédicateurs, vraiment, il y a une vraie richesse ici. Et vous êtes sacrément bénis, je vous le dis. Parce qu'ailleurs, des fois, ça ne se passe pas forcément aussi bien, malheureusement. Donc voilà, on a un peu fait le tour de mon expérience. Et à travers tout ça, je voudrais vraiment vous encourager. Le premier point, c'est d'abord la persévérance. Ne lâchez jamais rien dans ce que vous faites pour acquérir une formation, pour améliorer vos relations avec vos collègues, vos amis, votre famille. C'est vraiment important et être toujours généreux, avoir la joie de vivre, apporter le bonheur autour de soi. Je pense que ça fait partie des choses qu'un chrétien doit faire pour évangéliser aussi. C'est montrer qu'on est toujours heureux, toujours avec le sourire, toujours avec un accueil chaleureux envers chaque personne. Et ne pas oublier aussi qu'à travers tout ça, que malgré, bien que les richesses de ce monde nous apportent, ne jamais oublier à sanctifier ce que l'on gagne. Parce que certes, au début, on ne commence pas forcément avec des mille et des cents, mais le Seigneur nous apporte beaucoup au bout d'un moment. Et croyez en cela, que le Seigneur vous accorde beaucoup et vous accordera beaucoup. Amen. Mais n'oubliez jamais de toujours donner au Seigneur, parce que vous verrez, vous gagnerez encore plus. Amen. 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 Voilà. As we pray.